plus important pour réduire le time to market, c'est d'embarquer très très vite les utilisateurs ou le client. Donc pour ça, il faut utiliser ce qu'on appelle des méthodes de design thinking pour pouvoir les interviewer. Donc souvent, nous, on va le faire en moins d'une semaine, les faire venir, les faire ce qu'on appelle des sketchs, donc les faire dessiner pour qu'ils imaginent leur solution. Et derrière, le prototyper pour que très rapidement, au bout de 15 jours, ils aient quelque chose à tester. Et là, ça nous permet de pivoter s'il faut, si c'est nécessaire pour créer l'application. Donc le time to market, c'est comme ça qu'on va le réduire, en faisant venir très vite nos utilisateurs dans l'intérêt de l'application. Il y a de nouveaux produits, services qui sont nés comme ça ? Oui, on est en train de créer une application en interne pour faire bouger le management, où en moins d'une semaine, on a créé un proto. On a pu le faire tester auprès de quelques managers, directeurs d'agence. Et aujourd'hui, on va avoir cette application qui va sortir prochainement.